Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur la vidéo numéro 28 de Motel Manager Simulator. Et donc, on va continuer. Alors, ici, je vais vérifier. Hop, je vais récupérer un peu de sous partout. Mon motel, il est fermé. Bien sûr, j'ai des chambres de disponibles. Donc, je vais pouvoir le louer. Donc, on va ouvrir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chambre? J'en ai une qui n'est pas prête. Et j'en ai encore deux qui sont louées. Celle qui n'est pas prête, bon, à mon avis, elle va être prête dans 2 minutes parce qu'ils vont s'en occuper. Bah, il est parti chercher les draps. Ici, j'ai une livraison de rien du tout. Justement, à mon avis, j'ai peut-être pas dû laisser partir. Alors, ici, on est bon. On a quand même du stockage qui est assez plein. On va aller voir dans le magasin. En même temps, on va passer. Ouais, je l'avais rempli dans la vidéo d'avant. Donc là, on est à 200. Et je vais récupérer un peu. Alors, il faut pas que j'oublie de récupérer ici aussi au niveau des cigarettes. Maintenant que j'ai mis un distributeur de cigarettes. Hop, hop, hop. Voilà. Et les petites cabines téléphoniques. Voilà. Et donc on va essayer d'investir une nouvelle chambre. On va sûrement avoir la chambre en coin. Celle qui est juste ici. Je vais regarder. Mais ouais, il y en a qui sont loués, il y en a qui sont pas. Bon. On est bon. Regardez. Donc là, je l'ai réouvert. Donc je devrais avoir des clients qui vont arriver. Et au niveau du magasin, bah, j'ai pas mal de choses qui sont remplies. Le stock, je l'ai mis à fond. Ah bah, j'ai eu ça, il l'a mis là aussi. Je savais pas que... non, c'est vrai, je vais passer par là. Et lui, ici, c'est bon. Il est parti lancer une machine à laver. Ici, on est bon. Alors, il y a encore quelques poissons, là, qu'on pourrait peut-être prendre. Pour l'instant, hop, hop. Ah, et je pense que j'en avais vu ici quelque part, mais je n'étais pas sûr. Non. Pardon. Ah, les boissons, ouais, moi j'aime bien les remettre directement. Vérifier un peu, mais normalement non. Ici, il n'y en a plus. Non, il y a des cigarettes. Ah, les cookies, j'ai vu qu'ils n'étaient pas pleins. Ah, et paquet de chips verts, je suis pas sûr. Bon, on va essayer ça du coup. Voilà. Allez, on y va. Pendant ce temps-là, comme ça, hop. Ça remplit l'hôtel. Ah, on va mettre ça là. Hop. Ici. That was fast. Voilà. Donc comme ça, au moins, j'ai rempli mon clé là. Et ici. Bon, ça va, hein, le... Hop, le magasin, il est quand même bien rempli, là. J'ai l'impression que ça va, ça bosse bien. Donc, je suis tranquille. Au bureau, j'ai une personne et j'en ai encore des autres qui arrivent. Alors, on va louer à combien... Et à combien de personnes, déjà? Alors, là, on est bon. L'essence, j'en ai ou pas? Ouais, je suis plein. Donc... ici, donc 12 heures. Ouais, un lit, 12 heures. Ça m'embête. 12 heures, c'est pas grand chose. Bon, allez, on va lui donner la chambre numéro 1. On va la louer. Hop, hop. Et tu peux la prendre celle-là. Awesome. Alors, 12 heures, c'est équivalent de combien de temps? 12 heures, c'est équivalent de 10 minutes. Voilà. Donc, ça veut dire que là, il va me rendre la chambre dans 10 minutes. C'est pour ça que c'est pas très intéressant. Si je loue que des chambres de 12 heures, ça veut dire que toutes les 10 minutes, je vais devoir la nettoyer complètement et tout. Il va falloir aussi que j'achète des poubelles. Donc là, j'ai 15 chambres. Il va falloir que j'achète 15 poubelles. On m'a dit qu'il faut mettre des poubelles dans les chambres. Les poubelles, c'était dans... Hop, je crois que c'était ici, non? Je ne me rappelle plus. Hop. Les équipements, étagère, non. Décoration, pas ici. Là, c'est vraiment l'hiver. Ouais, ça doit être ici. Voilà. Alors, les poubelles qu'on pourrait mettre... par exemple, des poubelles comme ça. Ça, c'est les poubelles d'extérieur, intérieur. Donc, on va en prendre 15. Alors là, je peux pas en prendre 15. Non, c'est un peu bizarre. Ouais. 8 et 8, 16. Allez hop, voilà, comme ça je peux. Voilà. J'en aurai une de plus. De toute façon, dans tous les cas, je vais acheter une nouvelle chambre. Donc j'en aurai directement.
Et donc là, on va attendre quelques secondes pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Personne. Un peu d'argent. Donc ça, c'est les deux véhicules des personnes qui sont dans les chambres. Je crois que c'était 1200 et des boîtes. Alors, je vais pas acheter la chambre tout de suite parce que justement, maintenant j'ai les paiements des salaires qui passent, bah, mes ouvriers vont plus travailler. Donc ça peut poser problème. Là, pour le moment, on laisse tomber et on va attendre dès qu'on aura un petit peu plus. Donc au moins j'ai 500 000. Comme ça, au moins je peux. Donc, ça veut dire là, c'est 1000. Je vais vérifier combien elle est la chambre. Ça doit être 1200, je crois. Alors, accessoires, ouais, mise à niveau, chambre. On est à 1200. Donc 1200, j'ai 1800. Ouais, on va aller quasi à 2000. Comme ça, j'aurai 800 pour payer les salaires en attendant. Et après, bah, il va falloir que je la prépare et qu'on achète tout ce qu'il faut pour mettre dedans. Alors, pour la préparer, j'ai encore des trucs ici. Hein, donc, ça pourrait être pas mal. La salle de bain, je peux la faire en bleu. J'avais vu, ah ouais, c'est ce que j'allais dire. J'avais vu un petit carton blanc là. Des cartons de trucs là. Est-ce que. Ouais, parlant de ça, est-ce qu'il y a encore de la publicité là? Hein? Voilà, au moins, je suis tranquille. Il va falloir que je rachète aussi un petit peu d'alcool. Parce que vous voyez, de l'alcool en moins. Ici, j'avais bien rempli. Puis c'est bon. Et lui, bah, il est parti pour nettoyer. Dans moins de 10 minutes, je vais au moins. Bah, de toute façon, dans 10 minutes, je crois que je vais récupérer au minimum 3 chambres. C'est tranquille. Là, par contre, il faut que je fasse des grosses des publicités. Hop, 700. Ah, bah, je peux replacer une publicité. Ah, bah, voilà, on y va. Qu'est-ce que je n'ai pas posé? Celui-là, je crois. 90. Allez, c'est celle qui paye le plus. Donc 90. Bien. je vais la mettre où? Ouais, j'arrive. Je sais pas si je peux la mettre sur des arrêts de bus. J'ai vu qu'il y avait des trucs sur les arrêts de bus. Est-ce que si je la pose là-dessus, ça marche? On va aller voir si c'est validé. Dans tous les cas, ça fait partie d'une publicité. Et comme le. L'arrêt de bus m'appartient parce que je l'ai acheté, donc normalement ça devrait passer. Je vais vérifier en même temps que je vais lui donner. Alors j'ai combien? J'ai 3 personnes ici. Alors niveau des publicités tout en bas, elle est prête, donc c'est bon, elle va me ramener des revenus. Niveau des chambres, bah, ça on verra bien. Et toi, tu veux une chambre pour 96 heures? Attendez madame. Un numéro 2, bien sûr. Hop, voilà, 96 heures, prends la chambre. Ok, donc là on est bon. Donc là, si je veux, je peux déjà prendre ma chambre. Voilà, comme ça c'est tranquille. Hop. Ah, toi, tu veux une chambre pour 12 heures. Non, vas-y, je vais pas te la mettre parce qu'en réalité, ouais, je suis sérieux. Là, on a la 16 maintenant. Madame, une chambre pour 12 heures. Non, désolé. J'ai besoin de sous. J'ai besoin de finances, on va dire. Bah, je vais pouvoir aussi rappeler un autre camion. Pardon. Je vais regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir commander. Donc en équipement, le lit, ouais, j'aime bien toujours prendre. Bon, on va prendre celui-là pour changer un peu. Les draps, ben, un drap, une couverture blanche que je prends d'habitude, un oreiller blanc. La porte, ben, c'est pareil, c'est celle-ci et celle-là. Le plafonnier, alors il y aurait autre chose ou quoi? Ouais, peut-être celle-là pour mettre dans la salle de bain. Et allez, on va changer, on va mettre ça. La baignoire, ben les seuls qui me ramènent le plus, c'est 6, 6, 6, c'est là, donc celle-là. Lavabo noir. Serviette, j'en ai. Toilette noire. Papier toilette, j'ai. Chauffage. Un bonus de 6. Le rideau. Alors les rideaux, on va essayer les deux là, pour moi. J'ai pas pris cela encore. Les chaises, deux comme ça. La lampe. Bah, la lampe, moi j'ai. Ah, peut-être un petit effet ancien, on va dire, comme je vais faire un truc comme ça. La table, comme ça. Le bureau, non. Le placard, bah, souvent je prends un placard. Bah, on va ramener quand même un bon financement. Bah, je vais prendre le grid, hein, mais bon. On va pas trop suivre. Équipement électrique, bah, bien sûr, on prend ça. Ça, et une télé, comme on fait d'habitude. Tapis, bon, le petit tapis de salle de bain. Ça, on va prendre rouge comme ça et rouge comme
Pain. Pain. Livre, non. Accessoire, non. Et ici, on va prendre une horloge, un lave-main et un miroir. Donc là, on a 1400. Je vais vérifier si mon fourgon est bon. 1500. Let's go. J'ai tout ce qu'il faut. Je vérifie. Au niveau de tête des sols, j'ai ce qu'il faut, je pense. Et peut-être au niveau de la peinture. Je vais vérifier au niveau des peintures parce que niveau des murs, bah, j'ai pas trop ce qu'il faut. J'ai peur de faire un papier peint comme ça. Je voulais faire vraiment un truc à l'ancienne comme ça, mais j'ai mis quand même un lit récent où on peut faire la première chambre en brique. Un peu en brique à l'ancienne, mais comment je peux. Écoute, celle-ci. J'essaie de regarder un petit peu ce que je peux faire. Là, c'est des briques plus pour l'extérieur, ça. Là, on peut faire ça, une briquette d'intérieur. Mais bon, tout en briquette comme ça va faire moche. Ah, vieux effet bois. On va essayer de faire deux murs comme ça. On va essayer de faire deux murs comme ça et une peinture. Peinture, peinture, peinture. Bah, écoute, on va faire une peinture toute simple, hein. Y a même pas de noir. Vraiment, vraiment pas de noir. Bon, écoute, allez. Comme ça. Dans la salle de bain, ça sera du blanc et du bleu. Plafond, ça sera du blanc. Donc on est bon. Allez hop, là on peut valider le panier. Voilà, donc on est bon. Ah, excusez-moi monsieur. Qu'est-ce que tu veux toi? Une chambre pour 24 heures avec deux lits. Attendez, alors ça je vais la prendre. Deux lits, je peux le faire par contre. Deux lits, c'est pas gênant. Donc là, les deux lits, ça commence à la 9. Si vous... Ça, donc, voilà. Allez, on prend la 9. Quoi? 24 heures, non. Give me a break. Pardon. Quarante-huit heures, tu peux la prendre. Voilà. Ah, et j'ai un. Ah, bah, j'en ai un qui est arrivé. Alors, je sais plus si j'ai mis des chargements ou pas de déchargement. Je m'en rappelle plus. Normalement, ils sont pas censés décharger. Là, je vais aller mettre les poubelles juste ici à côté. À chaque fois qu'il fait noir comme ça, j'ai l'impression que j'ai plus de lumière. Je vais essayer de mettre ben, une à chaque porte. Donc, une là. Une là. Et après, ben, moi, j'irai les mettre dans les pièces qui sont vertes. Moi, je serai tranquille. Je les mets à l'entrée. Hein. Et là, donc ça veut dire qu'à peu près 15, 15, 16, ouais, on va faire à peu près 3 voyages. Comme je les porte par 5. Et normalement, on aurait peut-être moins de nettoyage. J'ai mis trop loin. Après, il y a peut-être une que j'ai pas mis à côté de la porte, c'est celle-ci. Voilà. On va essayer d'aller chercher le reste. Alors, normalement, je suis censé en avoir 16. Ah, j'ai des clients au bureau. Ouais, bah, à louer, hein, de toute façon, dans tous les cas. Hein, je mettrai les poubelles après s'il faut. Toc, toc. Je lui parle pas, moi. Ah, ben merci de m'avoir rendu. Il m'a rendu la 8, je crois. Tu veux une chambre? Là. Thanks. 5. Quatre heures, non. Too bad. Comme on a du monde, maintenant on peut se permettre. 24 heures, non. Really? Quarante-huit heures, tu peux. Have a nice day. Oh, on a une. Thank you. Ah, c'est lui qui l'avait pas loué 10 minutes. 72 heures. Voilà, merci beaucoup. Elle va aller nettoyer. Elle va récupérer. Donc là, normalement, je suis censé en mettre 5 en haut. Et normalement, j'en aurai encore une dedans. 1, 2, 3, 4.
Il manque la sixième. Alors, je vais faire ça. Hop, comme ça, je serai tranquille et je vais le renvoyer à sa livraison. Enfin, je vais renvoyer comme ça. Si le... J'ai une livraison à 12h59, c'est déjà 11h. Moi, le camion, il pourra arriver à bon terme. Alors, on avait dit alors. Là. Poubelle ici. Poubelle ici. Une poubelle. Alors, est-ce que lui, là... Oh, bah lui, je peux la mettre. Voilà. Et là, il va falloir tout reculer. Parce que là, tout est dedans. Bon, elle est en train de nettoyer, donc c'est bon. Et il va falloir que je ramène tout. Alors là, le chariot, ça va être un peu gênant, parce qu'il va être dans le coin. Ça va être un peu gênant. Là, la poubelle, je vais pouvoir la mettre sur le côté. Je vais la mettre sur le côté en attendant. Elle ira dans la nouvelle chambre. Je vais la mettre là en attendant. Et elle va venir dans la nouvelle chambre. Dans la nouvelle chambre, bah, il faut que j'essaie de récupérer. Alors, normalement, il faut que je récupère ça. Le sol, peut-être, parce que j'ai pas pris le sol. Donc, ça et ça. On va essayer de récupérer les... Comment ça s'appelle, là? Les trucs noirs et, et la peinture. Hop, allez. Ouvre. Alors, peinture. Peinture. Là, j'ai un truc là. Ok, donc là, je vais essayer de récupérer pour voir. Ok. Là, un, deux. Voilà. Est-ce que je vais savoir trouver au minimum les lumières? Non, là, par contre. Ah non, ça, c'est les rideaux. Okay, voilà. Toutes les deux portes, on va les poser. On va vider, hein. Non, faut, je ne vais pas trouver les lumières. C'est un peu gênant. Là. Voilà. Ah si, ça c'est les lumières. Ça c'est les lumières que je mets dans la salle de bain. D'accord? Toi, toi. Alors, toi. Bon, toi. Bon. Le lit. La table et le lit, voilà. Ah voilà, alors ici on va poser ça, je pose là, ça je pose là, et la grande armoire jamais là. Bon, c'est bon. Ah, je vais le mettre là. Ah non, c'était celui-là pour moi. C'était celui-là. Oh, tu vas là avec les autres. Voilà. Ah, l'idée, c'est tant mieux d'avoir tout à l'extérieur. On voit où mettre. Ah, du blanc. Ah là, là ma dernière lumière. Hein? Hop. Et hop. Alors, je vais vérifier. T'es go. Hop. Toi, tu viens là. Je donne toi. Voilà. Donc là, normalement, il n'y a plus rien dedans. Ah, si, regardez. Voilà. Heureusement, j'ai bien regardé. Il y avait ma télé en haut. Je n'avais pas vu. Vraiment faire attention parce qu'il y a vraiment des trucs en hauteur. C'est bon. Un petit 19 tonnes. Alors, on va prendre ça. On va prendre ça. 1, 2, 3. Et une couleur. Bah non. Peut-être que même la salle de bain, je ferai peut-être deux murs de salle de bain et voir si je sais faire deux murs de salle à manger. Ça ferait peut-être bien. Hein. J'ai les poubelles qui sont alignées. Hein. En attente. Ouais, bah pour l'instant. Alors, toi, bah, la lumière, tu vas aller ici. Alors, là, pareil, ici, on pourrait faire une chambre double. Mais, bon, on verra. En sport. Je préfère la garder en chambre simple. Alors, moi, j'aimerais bien que ce mur-là soit comme ça. Voilà. Et bah, peut-être celui-là. Voilà. On va pas mettre tout comme ça. Hop. Hop. Alors je sais que je peux garder le carton dans mes mains. Et par contre celui-là, hop, j'aimerais bien que on va faire ces deux murs-là. Donc celui-ci, hop, et celui-là. On va pas couper comme je fais d'habitude de l'un en face de l'autre. Comme ça sera peut-être mieux. Ah, hop, voilà. Et là, il m'en reste combien là-dedans? Hein? Ok, mais je crois que j'ai encore des cartons, donc ça devrait y aller. On va galérer à passer par contre avec tout ce qu'il y a là. Ah, attends.
Alors là, en plus, elle est en coin, donc c'est gênant. Voilà, regardez, moi j'ai payé tous les salaires. Donc là, toi. Et je pense que j'ai un problème. J'ai pas assez de pour le mur. J'ai vraiment pas assez pour le mur. Ah merde, j'aurais dû en acheter un. Bah, je m'attendais pas à faire autant. Enfin, je vais regarder. Je vais regarder si on peut pas ficher un petit peu. Hein. Le chariot, il va me bloquer. Bon. Alors, toi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, le problème, c'est que si je fais ça, ça ne passera pas. Donc, hein? Ah, c'est du noir, en fait. Chercher du noir, bah, c'est du noir. Ok, d'accord. Ah, bah, même là, ça va pas finir de... Bon, là, ça, je peux faire un soubassement en noir. De toute façon, il y aura toujours la douche, là. Un noir. En plus, j'ai mis les toilettes noires. Je vais quand même mettre le plafond blanc. Super moche. On dirait un marron plutôt, je sais pas, on dirait un noir marron. C'est un peu bizarre, mais. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour ici à la vais te positionner comme ça. Voilà, donc là on est bon, mais par contre je sais pas comment faire. Je me demande si je fais un soubassement à un de haut comme ça. Si je vais de là à là. Ah, un test. Ah, je fais au pire, je le fais partout. Ça fera peut-être moins moche si je fais juste un demi-mur. Vraiment. Un petit rattrapage, on va dire. Donc là on est bon et là maintenant on va faire le plafond. Donc, le plafond de la salle de bain en premier. On aura quand même du blanc hein, parce que. Et pas de peinture. Voilà. Et là. Oh ben bonjour. Il y a quelqu'un à l'accueil, mais pour l'instant, je peux rien faire. Rénovation de la chambre, on va dire. Voilà, donc là on est bon. Peinture partout, on est bien d'accord. C'est le seul que j'ai pas. Donc toi, bah, je vais te récupérer. Toi et toi. Par contre, c'est vraiment c'est bizarre. Oh, bah ouais. Je me retrouve à... avec le. Ah, ça saccade un peu. Donc... Je crois qu'il y a quelqu'un qui va me rendre une chambre. Bon, après, on va essayer de te remettre sur le chariot correctement. Pour le moment, je mets comme ça. Et après... Alors, les sols. J'ai plus de sols. Ça va pas me dire que j'ai plus de sols. Je vais devoir faire une commande juste pour des sols. Ouais, j'en ai plus qu'un. Un pauvre. J'en ai un seul. Alors, attends, je vais regarder. Oh, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Alors, est-ce que les autres sont dispo? Je vais vérifier chambre. Donc, bah, tout est dispo sauf la dernière. Bah, c'est normal, la dernière. Donc, toi, tu veux quoi, toi? Une chambre avec un lit de 72 heures. Bah, écoute, là. Pour un, est disponible pour toi, 72 heures. Madame, on encaisse. La 8, pareil, elle peut être dispo parce que ça, 8, 10, 11, 12, 13. Toi, tu peux la prendre. Donc, là, 10, 11, 12, 13. Et puis c'est jusqu'à la combien c'est dispo en 2. Donc là on a la 10. Non la 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est 7, 8, 9, 10. Enfin je ne note pas, c'est 7, 8, 9, 10. Donc la 7, 8, 9, 10. Donc tout le reste c'est une place. Ça c'est une place. Il va falloir que je mette les chambres. Toi non. Je prends pas pour 12 heures. Non.
11 personnes. Bah ouais, après, j'ai 20% de plus maintenant que j'ai mon panneau publicitaire, on va dire. Donc là, il me reste plus que la 10 en double. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir un double? Ouais, il y a quelqu'un qui va me prendre une double. Donc, je sais pas, mais. Ah bah justement, c'est. Attends une minute. C'est là et la 10. Je tiens mon copain. Thanks a bunch. Il la prend pas pour longtemps, par contre. Alors là, 36. Non, allez, on va se permettre de choisir, hein. En 12 heures, tu peux la prendre. Cool. Peuvent rentrer la poubelle en même temps. Hein. Et la 16, ouais, il me reste que la 15, que la 16, je suis en train de la faire. Oh, tu ne peux pour 36 heures, non. Il y a quelqu'un qui a un peu plus. Oh, je vais me rendre la 6. Great. 1, 2, 5, 6, 4. Alors toi, 72 heures, tu peux la prendre. Et on a encore une personne. Après, ben, je vais devoir la fermer. Enfin, je vais fermer après. 72 heures, tu peux. Voilà. Donc là, fermé. Hop. Normalement. La 6, il vient de me la rendre. Oh. Désolé, je peux pas te rendre. Tant de moi, j'ai 96 heures, ça aurait été intéressant. Oh. This is too bad. Je me demande si lui est pas là pour me rendre une clé. Ah, elle me rend une clé, là. Le numéro 14, enfin. Ah. Bah, désolé. Encore, j'ai encore des personnes qui arrivent, c'est ça qui est un peu embêtant. Je peux pas t'aider. Oh, désolé, je peux pas t'aider. Voilà. Donc là, allez, on est bon. Hop. Lui est parti préparer les chambres. Moi, je vais récupérer bah, les deux portes. Ah non, les sols, j'avais dit pas. Bah, le sol, j'ai plus que lui maintenant. Un seul pour tout faire, c'est mort. Hein. J'arriverai pas. J'arriverai pas du tout. Et le problème, c'est que bon, je peux poser les portes, c'est-à-dire déjà, mais par contre, ouais, les sols, faut que j'en recommande. Hein. J'en avais d'avance, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai mis quasi tout le temps le même sol, et j'ai pas d'autres. J'ai essayé de vérifier avant. Oh, j'en ai pas d'autres. Alors, on va poser ça là, toi ici, et toi ici. Ouvre, et toi tu. Dans la salle de bain, il y a peut-être un sol que j'aurais pu mettre, c'est lui là-bas. Il en reste 45. Ah, j'ai encore un là. À 11, 45. Ça été... Toi, c'est quoi toi? Toi, c'est un... Non, ça c'est un mur. Ah, peut-être là. Hop. On est trop bien. On va essayer celui-là. Il y a tout mis, papier toilette, il y a tout mis à terre. 45. Donc là c'est bon, bah toi tu pars là. Et lui, ben bah, c'est un 100 et j'en avais un là-bas, c'est ça? Et on va essayer, mais je pense pas que avec deux comme ça marcherait. Enfin, j'ai un doute. Non, non, c'est pas. 33, non, 33, ça va pas. 33, ça va pas aller du tout. Donc il va falloir qu'en urgence, je vais commander ben, 3-4 comme ça. Je vais faire venir un petit camion. Non, je peux pas. Je peux pas mettre un mur. Alors, donc, chambre. Là, tout est prêt. Nécessité de construction. On a dit sol. On a dit. J'ai pas le choix. Bon, pendant ce temps-là, on va peut-être quand même pouvoir mettre des choses pas trop gênantes. Par exemple, la télé, on peut la mettre sur le mur.
Le. Ouais, il faudra que je fasse la salle de bain, mais j'ai cherché un autre truc, je sais plus. Je peux mettre les deux rideaux déjà. Ah, j'ai pas pris de rideau de salle de bain aussi, merde. Oh. Je vais prendre un rideau de salle de bain, j'ai pas pris. Bon, c'est pas grave, on le prend dans la prochaine. C'est pas grave. En plus, maintenant, les chambres, elles sont super loin, hein, quand on doit aller là-bas tout au bout, mais on peut monter que là. Il n'y a pas d'autres escaliers, donc c'est un peu gênant. Et après, bah, comme j'ai dit, je vais tout bouger, hein, parce que là, je ferai tous les. Ok, toi, la télé, bah, je la pose là en attendant. Voilà, et un rideau ici. Voilà. Allez, on y va. On avait dit que bah là, on va faire la salle de bain, puisque la salle de bain, elle est terminée. Je vais prendre ça, l'évier. La clim, ce sera après. On va prendre ça et ça. Voilà. Donc là, on a les 5 de la salle de bain. Ça devrait le faire. Ah ben, je... ça, on finit la chambre, sinon on ne ramènera pas d'argent. On y va, hop. Alors, ça c'est bon. La toilette c'est bon. Ici, ça c'est bon. Oh, bah, je vais te mettre là, hop, et toi, je vais te mettre ici. Hop, voilà. Un rouleau de papier toilette, je vais peut-être déjà le prendre quand même. Hein. La serviette, il a pas encore ici. Ah, si, la serviette. Après, le reste, c'est pas grave, puisque le client va les utiliser, donc ça va partir. Le camion va venir à 10h40, il est 7h et les brouettes. Ça, je peux plus le mettre. Ça, je peux le mettre. Ah, je peux le mettre, la clim je peux le mettre. Faudrait mettre comme deux prises. Hein. Bon, ça, je vais déjà prendre une prise. Là, je peux déjà mettre ça. En plus, il faut que je regarde comment je vais savoir mettre la clim. Souvent, c'est un petit coin de mur. Hein. Peut-être au-dessus de la porte, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce que je dois mettre en premier? Je crois que c'est la prise. Bon, je peux en mettre une ici. Ça, là. Et ça, c'est la lampe que je voulais mettre ici quelque part. Bon, je vais la mettre là en attendant. Là, c'est la clim qu'on va mettre à l'extérieur. Ah, bah voilà. Là. Oh, tu vas aller là. Voilà. Aller chercher une prise tout de suite pour le brancher parce que sinon je vais oublier. Ah, bah, j'ai pas pris le lit. Purée, le lit, on voit rien. La table, la chaise. Je vais prendre la deuxième chaise sinon. Et je vois rien. Ah, on n'est pas censé savoir passer avec un gros lit quand même. On est passé quand même. Alors, je vais poser au sol parce que là, pour l'instant, je vais le mettre là. La table, là, je suis censé la mettre à peu près ici. Donc, on va mettre là. Ah, ça va en haut là. Voilà. Voilà. Donc là on est bon et maintenant ben, on va faire un peu le reste mais bon je sais pas. Ah il est arrivé. C'est bon il est arrivé donc je vais pouvoir. Est-ce que je peux leur demander de. Alors merci, rends-moi la clé. Voilà. Est-ce qu'ils vident le personnel, mes camions ou pas? Attendez qu'ils déchargent le camion. Ben, je vais juste en récupérer un ou deux et après ils vont décharger, on met sur les. Ils veulent bien. Bon. Un, deux, voilà, et là on va prendre ben, l'horloge, l'oreiller, ça, et voilà, je reviens une fois.
Ah, c'est pas mal d'aller-retour, pardon. Il est déjà en train de mettre des draps. Là, on va voir si on arrive à mettre. Ouais, voilà. Tout long ici. Voilà. Ouais, ici. Voilà, donc là, lui, je peux le poser là, quelque part, s'il veut passer. Pareil, hop, voilà. Ça, c'est une petite horloge que je vais mettre ici. Ça, c'est le coussin. Bah, ça, il va à la terre, parce que je vais bouger le lit. Viens voir. Bon. Voilà. Le lit, il va repasser là. L'oreiller va passer ici. Ah. Bon, il y a des choses encore à mettre à l'intérieur, mais on verra. Genre, voir si on peut pas rajouter des autres trucs. Je peux récupérer en même temps la poubelle. Là, je vais être tranquille. Là, ils sont en train de vider le camion, donc c'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poubelle, le drap, la couverture. Je sais pas s'il a mis. Alors, on va faire quoi? On va faire ça. Ça. Et on va les mettre en place. Et si besoin, ben, il y a à me les mettre. Voilà. Là, ça. Voilà. Je pensais avoir fini la chambre avec ça. Il va falloir que je rachète aussi, c'est des boissons, des gâteaux. Dans les trucs. Alors, petite poubelle que je vais mettre à l'entrée, bien sûr. À un moment, on aurait moins de saleté avec les poubelles. Il faudra que je mette un. Oh, ça va, c'était pas trop moche. Il faudrait que je mette un. Attends, là, je vais mettre ça là, voilà. Je cherche le nom, je m'en rappelle plus. Ouais, je m'en rappelle. Ah, si, rideau de douche, voilà. Je cherche le rideau de douche. Donc là, plus ou moins, bon, on est bon pour cette chambre-là. Je vais juste voir si elle est validée. Je vais aller voir si elle est prête. Alors, elle sera peut-être pas prête parce qu'il n'y aura pas tous les draps. Mais je vais aller voir quand même. Alors, hop, salutations, monsieur. Hop, ouais. Là, au moins, ça va me faire travailler mes employés. Donc là, la 9. Ça, ouais. Peut-être 8, 9. Bon. Ok, donc là, je vais racheter du carburant. Voilà. Et la chambre. La chambre, elle est prête. Moi, c'est bon. Donc, elle est prête, je suis tranquille. Il va falloir que je débarrasse le bordel un petit peu qu'il y a. Je vais juste vérifier si on n'a rien à mettre dans les machines. Ah, mes machines, elles sont vides de chez vide. Il faut bien faire attention parce qu'ils remplissent pas les machines. 500 balles de cigarettes. C'est bon. Voilà. Alors, je vais aller voir ce que j'ai dans les stocks. Je peux mettre quelque chose dedans. Donc, toi, déjà, bah, tu vas là. Voilà. Et toi, pareil, tu vas là. Tu vas venir ici. Et toi, pareil. Voilà. Regarde, il y a 100. Ah ouais, il a plus d'amidon. Même pose-toi à terre. Mais... Il y a plus de la place. Peut-être. Ah, j'avais dit que j'allais devoir mettre une nouvelle étagère. Je l'ai pas fait. Alors, papier toilette, je peux vendre celui-là. Hop. Et ouais. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que ça marche pas. Ça. Tu vas aller là, rien. Hein. Voilà. Bon, voilà. Lui, toi, voilà. Ça marche pas sinon. Là, j'ai du papier toilette là, je vais devoir le prendre. Je vais mettre là. Ah, bah, c'est un rideau de douche. Ah ouais, nickel. J'en avais en supplément, là. Il va falloir que ben, je vais vite fait essayer de bouger un peu les. Comment je vais faire pour dégager tout ça? Il y a des moments, j'ai envie de tout revendre les trucs. Donc là, le rideau douche.
Voilà, bien vu. Et normalement, j'ai envie de tout revendre. Et je pense pas qu'on peut. On peut pas revendre. En vérité, c'est limite, ça va être jeté à la poubelle. Ça m'embête quand même de tout jeter à la poubelle. Mais je voulais vraiment. Pour faire tout repartir. Bah, pas à zéro, mais. Là, le problème, c'est que. Au truc. Même au niveau des trucs. Alors, par contre, ça, un orange, je vais laisser. Ah, je vais pouvoir mettre. Attends, je vais essayer de laisser là dans le coin pour pouvoir le faire. Attendant. Le. Au millimètre, attends. Alors, hop. J'essaie de voir. Allez, je coupe. Je lâche pas. Ah, plus. Bon, j'en ai là, heureusement. Et il va falloir que je refasse ici parce que là ça ne marche pas. Alors, j'arrive plus à passer. Ah, j'ai envie. Pas trop à rentrer. Voilà. Ok, bon voilà, pour l'instant on est bon pour cette chambre là. On va essayer de faire une belle commande. Voir si on sait te la faire livrer très rapidement. Voilà, comment je crois on va essayer de rajouter de l'alcool, des trucs comme ça, parce que là on en a plus. Alors, je mettais. Alors, il y a une machine, je mettais des pâtisseries. Donc je mettais un peu de ça, on va dire, ouais, 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait remplir une machine. L'alcool, hein, on va faire 1, 2, 3, 1, 2. Souvent par 3, ça passe. Qu'est-ce que je mettais dans l'autre machine? Je m'en rappelle plus. Je pouvais mettre des boissons, bah, des produits voiture dans des journaux, non. Alors, journaux, je trouve que c'est un peu con. C'était des boissons. Je mettais que des canettes. De toute façon, je peux mettre que ça. Allez, c'est nouveau, je connais pas ça. Je vais prendre 5 comme ça. Voilà. Et là. Ouais, c'est vrai. Et le moment où on appuie, ça va pas jusqu'à 5. Là, ça va jusqu'à 5. Là, ça va jusqu'à 5, 5, 5. La pâtisserie, ben, j'ai réussi à regarder. Vous voyez, ça fait 1. Alors, moi, il y a des moments, j'ai l'impression que j'ai acheté plein de trucs et en fait, j'en ai acheté. Et les alcools, on va... là, c'est 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 et 3. Ok, d'accord. Donc là, on va prendre un fourgon moyen. Let's go, la commande est passée. Alors, je vais aller faire une petite sieste jusqu'à 3h40 du matin. Et moi, il faut que je récupère bah, certaines canettes, c'est tout. Oh, Lisa, il passe. Ah, il faut que je fasse partir lui. Ça qui s'arrête pas. J'ai oublié. Bon, pour l'instant, on a de la place. Il faudrait juste que j'essaie de récupérer quelques bricoles. Le reste, la colle, bah, ils vont aller le remplir. Pareil, je pourrais remettre ça, hein, des trucs comme ça aussi. Allez, j'ai le camion qui devra arriver, non? Voilà, allez.
Au pire, je vais essayer d'enlever ce que j'ai besoin moi, le mettre à terre, comme ça ils videront le reste. Ils vont passer, j'arrive peut-être à aller un peu plus vite qu'eux. Hop, donc ça, je peux jeter là. Ça, je peux jeter là. Ça, je jette tout ça là. Normalement, quand on jette à terre, après, il ne ramasse pas. Là, c'est de la bière. Donc. Ça devrait peut-être le faire. Bon, on va déjà voir là. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Alors. Voilà. Je vais essayer déjà avec 3 pour voir. Je pense que ça va vite hein, encore. Voilà. Là-dedans, c'est bien. Voilà. Il faut juste que je me reste des canettes et on verra bien. Donc là, pour l'instant, on va prendre ça. Ça, c'est des gâteaux et ça, c'est des gâteaux. Donc ça. Alors, celle-ci, je n'ai pas encore mis ici. Ah, si, celle-là. Donc là on est bon, je vais juste vérifier bah, s'il n'y a pas d'autres trucs. C'est du jus d'orange. Là-bas il y a des boissons mais c'est des bières. Il y a celle-là. Ça c'est des bières. Donc il y a les deux là. Et le reste ça devrait aller. Au moins elle est pleine. Voilà. Moi je sais qu'elle est pleine, il y a de l'argent dedans. Oh là le bordel! Alors il y a des gens qui m'ont dit tu peux appuyer sur le bouton emergency là. Mais pour moi c'est plus facile, tu prends, tac, tu fais une petite marche arrière, petite marche avant, hop, tu libères la voiture. Voilà. Hop, et regardez. Ça va tout seul. Il n'y a pas besoin de trop parce qu'en réalité, quand vous allez appuyer sur ce urgence. Ça va vous enlever toutes les voitures. Le problème, c'est que si ça vous enlève toutes les voitures, eh ben, vous perdez vos clients. Il va falloir qu'attendre que ça se remette. Tandis que, elle, la voiture, par exemple, là, c'est bon. Hop, tu vois, vous allez. Et si des fois, il y a un problème, voilà. Eh ben, elle fera demi-tour. Voilà. Et là, j'ai débloqué la situation. Ça c'est bien ça. Ça évite de justement juste bêtement appuyer sur un bouton et. Là on est bon, je suis à 6000. Il y a des trucs qui sont sales. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait la femme pour nettoyer. Mais bon. Ça, je vais le prendre. Je vais le mettre là-dedans. On sait jamais. Et on va voir si. Essayer de les aider un peu qu'ils vont dans le magasin plus rapidement. Voilà.
Eux, ils font un par un. Par contre, je comprends pas que moi, je peux porter 5 alors qu'eux, ils font un par un. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Il n'y a plus rien dedans. Allez, let's go. C'est parti. Et là, normalement, ben, ils vont aller remettre petit à petit. On les remettre. Tu vas avoir une chambre numéro 3. Allez, hop. On y va. On va aller travailler. 1, 2, 3. Donc là, normalement, voilà. On a la femme qui va arriver sur la numéro 3. Alors, je vais en profiter. Bah, numéro 3, numéro 2, numéro 3. Ah bon, hop, on va pas arracher la maison. Là, un truc. Mettre une poubelle. Voilà. Alors, on va essayer de contrôler. La numéro 1, elle est louée. La numéro 2, elle est louée. La numéro 3, elle est vide. La numéro 4, elle est louée. 5, pareil. 6, elle n'est pas louée. On va pouvoir mettre la poubelle ici. Alors, je ne sais plus si c'est le devant. Ouais, c'est le devant. Voilà. 7, elle est louée. 8, c'est là-bas. Elle est louée. 9, elle n'est pas louée. De toute façon, on le voit, hein, la porte, elle devient bleue. Normalement, quand on peut l'ouvrir. Hop, voilà. Ça, on est bon. Oh, ça, c'est à la poubelle, ça. C'est censé être à la poubelle. Hop. Et on va aller voir ceux d'en haut. Elle, elle est louée. Elle aussi. Elle aussi. Elle, elle n'est pas louée. Elle, elle est louée. Et bah, elle, elle n'est pas louée. Mais pour l'instant, de toute façon. Donc voilà. Au moins, on a déjà mis les poubelles. Oh, tu me donnes la numéro 4. Ah bah, je vais pouvoir aller mettre sur la numéro 4. 4, c'est l'avant-dernière. Celle-ci. Voilà. Et lui aussi, il va me rendre une chambre. Et après, bon, on arrêtera là. Hein. Alors. Tu vas me rendre un numéro combien? La 5. C'est tout au bout là. Voilà. Là, normalement, il devrait me rendre les chambres moins sales. On fait ça petit à petit. Hein. Ah, est-ce qu'ils ont mettre l'alcool ou pas? Alors, j'ai vu qu'il me manquait du rouge. Ouais, c'est bon, le rempli. Il me manque quelques trucs quand même. Il manque la bière là. Il me manque quelques bières ici. Donc il faut qu'ils commencent à venir les mettre. Voilà. Ah, ouais, j'arrive. On met de la bleue. Voilà. Au moins on est tranquille. Et où l'autre collègue là? Où son collègue? Ah bah, je vais dire, il travaille pas, lui. Par contre, j'ai l'impression qu'il place quand même plus vite que moi dans les étagères. Il place plus vite que moi. Ah, il fait une machine ou quoi? Comme là, tu peux faire, on lance la machine. Hop. On va pas faire une machine pour trois linges sales. Hein. Voilà. Voyons. Économie de lessive, c'est bien. Hein. Pardon. Donc, vous voyez ici, on commence à être un hôtel quasi 4 étoiles. Publicité. Allez, on a encore des nouvelles publicités. Allez, on va mettre bah, celle-ci qui coûte 70 et 85. Même pas, 85 et ici 75. Voilà. Et on va récupérer nos sous. Alors, je vais en mettre une où. Essayer de regarder à peu près où je peux mettre mes publicités. Alors, est-ce que je peux continuer à placarder ici? J'ai vu qu'il y avait un truc là. À l'endroit. J'ai l'impression que ça marche, donc si je peux le mettre ici, je peux le mettre là, alors, non? Voilà.
Voilà, je vais me faire écraser. Je vais aller vérifier si c'est validé. Prête, prête, prête. Oh bah j'en ai même encore une. Alors 125 celle-là. Magnifique. J'ai même déjà 400 en pub. Je viens de prendre 800, j'ai déjà 400. Alors il m'en manque une. Bah, je vais la mettre sur l'arrêt de bus. Hein. Comme ça j'aurai rempli tous les arrêts de bus. Les arrêts de bus, j'en ai une là et j'en ai une là. Ah, hop, c'est moi. Voilà, mon petit Nokia. Il y a un petit problème avec mes personnes. Alors là, par contre, vous pouvez utiliser le emergency quand vous avez des personnes bloquées comme ça. Et ça, hop, et normalement, voilà, tout le monde a disparu. Mais il faut pas trop le faire quand les voitures ils arrivent, parce que moi, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a tout enlevé. Hein. Ça m'avait même enlevé les voitures. Ils étaient en train de mettre de l'essence. Donc voilà. Quand vous voyez qu'on a un bug de PNJ, on va dire, là, il faut le faire. Par contre, si vous avez juste un bug de trafic, moi, je vous conseille de prendre le volant et de faire le trafic. Alors, des choses, ça aussi, ça me plaît pas. Par contre, toi, pensez être ici. Voilà. Et je crois qu'il y a peut-être si on a un autre papier toilette, j'aurai encore de la place. Pourquoi j'en ai encore? Non, j'en ai pas. Les bières et tout, ils m'ont rien en place. Allez, on va mettre ces bières là et après on va arrêter la vidéo. Toi, tu vas là. Hein? Voilà, vous voyez, à peu près 3 à 4 et on est complète. Ah, je vais aller voir un truc, par contre, au niveau des cigarettes. Assez souvent, j'oublie de le vider. Alors, regardez, j'ai 242. Et ça va, il se vide, mais pas trop vite. Il me ramène de l'argent, mais il se vide pas trop vite. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Donc là, voilà, notre hôtel commence à bien s'agrandir. Il va nous manquer 5 chambres. Et je pense qu'on a encore un agrandissement du stockage, je pense, et un agrandissement de... Alors, je vais vérifier quand même que je ne dis pas de bêtises. On a personnel. C'est même pas, c'est tout. Ok. Bon, ah si. Entrepôt, personnel et 4 chambres. Donc, à équivalent, on sera encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on sera encore sur une dizaine de vidéos, un petit peu. Allez, je dirais. Bon, maximum. Et on pourra après améliorer. Alors là, au niveau des revenus, bah ouais, c'est bon, ça m'a ramené. Et ici, je peux pas rajouter de publicité pour le moment. À chaque fois que vous avez des nouvelles étoiles, vous avez la possibilité de rajouter des nouvelles publicités. Alors, combien, je sais pas, mais vous pouvez rajouter. Donc, on est bien. On est bien, on est bien. Là, on a des sous, on est pas mal. Et on a des employés. Je pourrais peut-être même faire un luxe de me prendre un autre employé. Ouais, je vais le faire pour mon stockage. Enfin, pour ouais, le stockage. Donc, gestion personnelle, embauche, je vais essayer de prendre une dernière... bah allez, on va prendre lui. Quoi ah non, j'ai plus de place dans la salle de personnel. Donc, il faut que j'attende de agrandir ma salle de personnel pour pouvoir prendre une personne supplémentaire pour mettre dans mon stockage. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le petit pouce bleu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.